c'est notre première fois. C'est notre première fois. On n'est pas des grandes sportives. Non, mais là, la cause est belle, donc voilà. Voilà. Quand on a lancé la première édition en 2014, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle ferveur. Nous sommes presque 8000, nous donnons plus de 70 000 euros à la Ligue tous les ans et on couvre de roses Olivier. C'est très important de pouvoir aider la Ligue et par tous les moyens à lutter contre le cancer. Et c'est vrai que bah, quoi de mieux que cette magnifique vague rose pour soutenir les malades, pour soutenir la Ligue. De la musique, de l'animation et beaucoup de sourires. Et c'est vrai que c'est hyper important pour la ville dans cette 10e édition. Parce que quand ça nous tombe dessus, et ben, on ne s'y attend pas et ça fait du bien de se sentir entouré et de marcher pour la bonne cause. Ouais bah, c'est une course qui me tient vraiment à cœur. J'ai perdu mon grand-père d'un cancer. Donc c'est toujours un moment rempli d'émotions, ça fait plaisir de voir autant de monde mobilisé, bah, tout heureux vêtu. Merci pour cette 10e édition, pour votre fidèle mobilisation à nos côtés. On n'oublie pas le dépistage, super important, entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, on fait sa mammographie. Merci à tous. Merci aux organisateurs, aux bénévoles. Bisous.